Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je suis avec Thomas juste derrière moi, il y a Philou qui est tout derrière, on est en bateau et il y a Alexis qui est en flotte juste là. On suit une petite pêche automnale, presque hivernale, poisson vertical, recherche perche brochée et cendre, on sait jamais, mais peu de chance, on va essayer de s'amuser sur de la perche, essayer de taper quelques brochets en espérant qu'on en fasse un joli dans l'eau. Et puis on va essayer de s'amuser comme ça. Allez, c'est parti. Première étape. Bon, moi ce que j'ai pris là, comme ce que je mets comme montage, c'est un petit leurre souple en haut en potence, Easy Shiner 2 pouces, et en dessous j'ai mis un petit Black Minnow. On essaie de faire de la perche et du brochet. On a trouvé quelques beaux échos, il y a des poissons qui réagissent. On laisse vraiment couler au fond. Là, à l'écho, on est dans 9-10 mètres. On a du fish et on pêche autour en fait pour essayer de déclencher des belles perches. On a des bières aussi. Ça peut être le moment de boire une bière. Ah. Ça part de là plutôt. Ouais, c'est par les sensibles. C'est toujours beau en arrière ce qu'on a dit. Ah bah, t'as pas vu l'hiver hein. Ouais, et c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu. Et je suis pas monté gros du tout. Donc il va falloir épuisette, hélico si c'est broc. Et ça sent le broc. Ouais, ça filme. Ouais, c'est broc. Oh non, je crois que c'est Masta. Non, c'est broc, c'est broc. Et c'est pas vilain. Tu peux essayer de me choper l'épuisette? Parce que je suis vraiment pas monté gros. Bon, il est picara après, mais. Il est picara. Il y a juste le texan. Yes! Par de là. Je te l'attrape. Attaque sur l'air. Le petit Black Minnow. Yes, allez, ça retourne à l'eau. Hop. Allez, c'est reparti. Bon, ça va, pas trop mal pour l'instant. Ça touche quoi. C'est pas folie, mais ça touche. Non, mais je te l'ai dit, la dernière fois, c'est comme la dernière fois là. On est à peu près sur les mêmes conditions. On fait quelques petites perches, tu vois, un ou deux brochets. Ça tape pas au vif. On est sur les mêmes conditions qu'il y a deux jours. Bon, après, c'est cool, ça fait du poisson. Quoi. Je vais foutre au one-up. C'est de voir s'il n'y a pas un brochet qui traîne. Sur celle-là, je suis en. 40, je dirais, 35. Ouais, c'est trop le brochet. Pendu. Correct, broc. Verte, ah, j'arrive au bateau. Ouais, ils ont la patate. Hop là, décroché. Yes. Tête plombée verticale, à gratter le fond. Il a mis une cartouche. Oh, on s'est pas mal déplacé, j'ai l'impression. Aussi. Mais tu vois, ça va pas empêcher de faire un fish. Hein. Allez, yes. Perche, ça, non? Petite perchette. Il
Ah ouais, non, mais leur souple là. Tu vois, le soleil qui revient plus ou moins, ça s'arrêtait de pleuvoir, peut-être que les perches vont se réveiller. Elles vont s'activer de nouveau. Voilà, on est sur la boule. Là. Non, mais. Alexis, il a essayé un peu de leur surface. Là, il y a de. Il y a 5 minutes, quand il partait vers là-bas, là. Ah, poisson. Ouais. Le mec, il est trop gros. Non, il est pas trop gros. Il est un bel ignoble, quand même. Ouais. Mais il marche bien. Colorifère, il est top. Poisson. Elle a tapé à la fin. Ouf, coffret. Waouh. Alors elle. T'as une pince. Toi, tu repars direct. C'est le perche ou le petit perche.